Je suis ici. Vous êtes ici. Donc ça doit être celui-là. Voilà. Normalement, c'est le cratère en fusion. Enfin, mon portail fonctionne de nouveau. Viens me rendre visite à la loge Tiki. J'y vais de ce pas. Ok, cratère en fusion. Alors là, c'est pareil. Je crois que je ne peux pas faire ce niveau à 100% parce qu'il va me falloir le sergent Bird. Mais on va voir. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi ? Par ici, mais je n'arrive à faire sortir personne de la loge Tiki assez longtemps pour pouvoir agir. Eh ben, je vais m'en charger. Alors, ça, je crois que ça sert à rien. C'est pas un point d'aptitude. Mais quand je vois un truc qui dépasse, faut que je le crame. C'est comme ça. Ça le fait pas dans ma vie réelle, je vous assure. N'ayez pas peur, restez ici. Mais c'est pas possible de passer devant, de le voir et de ne rien faire. C'est physiquement impossible. Alors, ici il y a du feu, ici il y a des joyaux, mais en prison. On va donc libérer les joyaux. Ici on a Indiana Jones avec son fouet et des magnifiques limaces. Je n'ai pas eu le temps de le yoyoter. Voilà. Hop. Ça sert à rien les plantes, hein. C'est pas un point d'aptitude. Ne répétez pas ce que vous voyez ici. C'est juste. C'est juste un réflexe d'un pauvre malade. Tiens, tiens, tiens. Et il y a le cochon qui va me foncer dedans. Voilà. Tais-toi. Voilà, on récupère. Je crois qu'il y a un petit passage en dessous de moi, non? Ah oui, avec un œuf quand même, hein. Voici Ricky. Il est Rikiki. Merci Zoé, on y retourne. Toi je te crame parce que je suis obligé. C'est dans mon contrat. Alors, y a personne d'autre par là, hein. Non, il y a personne d'autre par là. Par contre, il y a un ennemi qui s'est planqué, genre, il va pas me voir. Mais raté, je t'ai vu. Zoé, qu'est-ce que tu me veux ? Spiro, occupe-toi bien de ton ami Sparks, la libellule. Oui. S'il n'a pas la forme, mets le feu à une petite créature, comme cette limace en dessous, pour libérer un papillon. Ce que j'aime bien, c'est cramer la limace d'abord et lui parler après. Ça, la limace en dessous, elle n'existe plus. Et elle l'a dit quand même. Voilà. Il m'en faut peu. Note ! In extremis, j'ai appuyé sur carré. Par contre, pas pour toi. Bon, de toute façon, ouais, je pourrais pas finir le 100% de ce niveau à la première visite. Sparks, voilà. Ah, un papillon de vie. Très bien. Nous voici avec 15 vies. C'est plus qu'un chat. Ok, ensuite on a lui en face. Une clé, voilà. Le coffre était tout à l'entrée, je m'en souviens. Hop, ensuite c'est par ici. Toi tu m'avais pas vu, il fallait pas, il fallait me voir. Ça fait pas très longtemps que je joue, je commence déjà à reprendre les réflexes de contrôle et de vitesse de jeu, de déplacement de caméra, bien, bien instinctif en fait. Donc on s'y refait très très vite en fait à Spirou. Je voulais faire du cochon grillé, pourquoi est-ce que tu m'as empêché? Voilà, hop. Prends-le, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Je sais plus si je suis passé. Bon bah, j'y étais passé. Hein. C'est pas grave, on fait le tour. Ok, je crois que je suis pas trop mal dans tout ce qu'il y a autour. Hein. Ouais. Maintenant, la suite, ça va être là. Merci. Ils ont distribué hier soir à la loge Tiki. Il fallait tous les prendre. Voici Curly. Il a pas d'amis. Ne fais pas cette tête, tu as pensé à la même vanne. Ça va, au bout d'un moment. Me jette pas la pierre. Vous jette pas la pierre, Pierre. Alors toi, bam, bam, voilà, voilà. Le sergent Burn n'est pas là. Sergent Bird est actuellement en mission importante à l'intérieur d'une cage. Pas de chance, la sorcière. Donc, ici, on ira plus tard. C'est marrant quoi. Le silence. Vous entendez? Dès qu'on s'approche d'une zone noire, en fait.
Et dès qu'on s'éloigne, ça revient. Oh, le silence. Oh, pas le silence. Oh, le silence. Allez, j'arrête. Donc, joyau, joyau. Ah, mon cher ami, le voleur d'argent. Spiro, salut. T'arrives au bon moment. Bien sûr. J'ai vu deux voleurs d'eux s'échapper par cette porte. Ah oui, exact. Après, ils m'ont payé pour surveiller leur plan. Bah oui. Pas d'importance. Bah non. Ça sera un plaisir de te laisser passer par la porte pour les poursuivre. Bah oui, comme t'es malhonnête. Non, une petite participation financière. Évidemment. Oh, 300 joyaux. Une paille. Merci, Spiro. Et bonne chance pour attraper ces infâmes voleurs d'eux. Merci, Salpignouf. Ah, on se rapproche. Le silence. Ça, je vais jouer avec ça tout le long du jeu. Je vais faire chier tout le monde. Mais le fait que la musique s'arrête pile devant, je trouve ça marrant. Ouais, il m'en faut peu. Cherchez pas. Es-tu le dragon qui recherche tous ses œufs? Ouais, c'est parce moi. Parce que j'ai vu un type louche avec un œuf par là-bas. Ouais, je l'entends. Hein. Il me nargue. Alors, ici, il y a un point d'aptitude avec le sergent Bird. Je peux pas le faire tout de suite, j'y reviendrai. Et il y a un point d'aptitude sans le sergent Bird. Je peux le faire tout de suite et je vais le faire. Déjà, je vais faire le tour, ramasser tous les joyaux que je peux trouver. Ah voilà, il faut péter ce mur. Bah, y a pas besoin de point d'aptitude. Ah oui, non, il n'y a pas besoin de la charge. Je croyais qu'il y avait besoin de la charge pour ça, mais non. Donc ok, un point d'aptitude facile, gratuit. Hein. Celui-là, il est cadeau. Du moment que tu ouvres un petit peu l'œil. Tchac, tchac. Il y en a 20 des points d'aptitude. Pourquoi ils ont fait 117% au lieu de 120, je ne me l'expliquerai jamais de toute ma vie et ça restera un élément qui va me perturber. Je récupère les joyaux. 2 secondes, gna gna gna, j'arrive. Tu n'es pas le centre du monde non plus. Hein. Ok, joyau rouge. Ici aussi, il y en a. Mais c'est le début, ça. Hey, j'étais juste pas du tout parti sur la droite. Ok, maintenant, la charge n'est pas encore activée, mais il y a déjà un gnagna à faible vitesse, on va dire. On va s'occuper de lui, mais je ramasse quand même les joyaux. Hein. J'ai des priorités dans la vie. Voilà, j'ai oublié une jarre. Je vais appeler cette jarre Jean-Michel, juste pour faire une vanne complètement stupide. Bon allez, je coupe les virages là, il est temps que je m'occupe de toi. Voilà, cette jarre récupérée. La jeter, voilà. Voici Moira. Je cours après sa queue. Encore un autre. Il n'a pas fini. Peut-être qu'en activant la super recharge, tu pourras le rattraper. Eh bah, active-la, mon couillon. C'est parti. Oh putain. C'est vrai que ça va vite quand on se souvient plus et qu'on n'est plus habitué. Mais ça va aller, regardez. Hop là. Voilà, vous avez vu? Je l'avais dit. Ceci était complètement raté. Pourquoi t'as sauté, Spiro? C'est pas grave. Mais non! D'accord. Je ne sais pas si tout cela est réellement en train de se produire. Is this real world? Là. Voilà, cette fois je l'ai. Voici Kermit la grenouille. Il est même pas vert. C'est une faute professionnelle. Voilà, et ben, je crois que c'est tout ce que je peux faire maintenant. Parce qu'il faudra ensuite que je revienne finir la partie avec Sergent Bird. Donc je reviendrai à ce moment-là, finir la partie avec Sergent Bird. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc on va rentrer à toute berzingue là-dedans. Et puis hop, c'est pas grave. Ok. Ah non, 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 j'allais oublier un petit détail tout de même. C'est quand même de récupérer le contenu du coffre. Voilà, puisque j'ai la clé. Allez, vas-y. Sers-moi de l'argent gratuit. Faut bien ça pour payer gros sous. C'est bon, c'est bon. Bon bah c'est bon. Ok, je n'ai plus qu'à quitter le niveau et je reviendrai plus tard quand j'aurai débloqué Sergent Bird pour faire le 100% de ce niveau.
Maintenant que j'ai libéré le sergent Bird et que je me suis occupé de faire son niveau, je peux passer là et faire donc la dernière partie du niveau. Salut Spiro, je suis en route pour la loge Tiki pour me détendre. Va te détendre, je suis sûr que c'est un endroit propice à la détente. Je joue à cache-cache avec mes amis. Si je n'arrive pas à trouver où ils ont caché leur tête, ils ne me laisseront pas adhérer à la loge Tiki. Aide-moi à les remettre en place et je te ferai entrer comme membre honoraire. C'est bien noté. Alors, point d'aptitude à faire ici. Toutes les têtes, avant de les mettre sur les corps, il faut toutes les mettre ici. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça. Alors, les oiseaux, ils repopent, je crois. Ils donnent pas de joyaux. Ouais, ils repopent. Donc, on va se charger des joyaux et des têtes, hein, en toute logique. Alors vite, pendant qu'il n'y a pas le feu, on prend la tête, sans se prendre la tête, haha. Attention aux oiseaux, dégagez le passage, merci. Donc là, cette tête là, pareil, on la met au milieu. Je vais récolter quand même les joyaux qui sont là, hein. Parce que le but c'est ça aussi. Voilà, alors, ici, bah pareil, je vais me faire cramer les fesses, non c'est bon, dégage. Ah non, on prend les joyaux, on fait gaffe au feu au-dessus de la tête. Hop là. Je suis pas encore allé de l'autre côté là, je sais pas s'il y avait un truc. On verra après. Ah, évidemment, je m'amuse toujours quand je fais Spyro 3 à essayer de dégommer la limace avec une tête. Donc là, ça va, je ne déroge pas à ma propre règle. J'attends qu'elle s'arrête. Elle s'arrête trop près du bord, je vais cramer la tête. À vous, tu fais exprès. Là. Voilà. Ça n'a rien fait. C'est débile. Mais c'est pour ça que je le fais. Je suis sûr que vous êtes passionné par ce que vous avez vu. Alors, les oiseaux. Merci, les têtes chercheuses. Ballon. Voilà. Ben, ils réapparaissent très vite, les oiseaux, quand même, hein. C'est histoire de quelques secondes à peine. Allez, on se prend la tête. On va la reposer toujours au milieu. Pour le point d'aptitude. J'ai loupé un joyau. Arrête de cracher du feu, toi. Voilà. Après, bah, on aura toutes les têtes au même endroit. De toute façon, on saura bien où elles sont. Hop, larguer au milieu. Alors, quelle zone je n'ai pas explorée? Ça, c'est fait. Ça, ça a l'air d'être fait. Ici, bah, y a des joyaux. On va les prendre quand même. Pardon. Ah bah oui, il n'y a pas que des joyaux. Je crois que ça descend plus loin en plus. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça arrive, ça donne pas un endroit que j'ai déjà vu? Si. Et là, on peut pas aller plus haut. Bon, ok. Donc ça, c'est bon. On va voir ailleurs. Arrêtez les oiseaux! Alors, je cherche. Ah bah attends, là. Ah, l'œuf caché. Luna. Ok, œuf caché, j'ai vu un joyau en haut à droite. Il faut que j'aille le chercher. Mais d'abord, je prends ça. Et c'est juste devant moi. Voilà, joyau ici. Ça veut dire que j'ai pas dû passer ici et que la tête qui manque doit être là. Ouais, effectivement. C'était ça. Donc je récupère tout. Par contre, j'ai toujours pas le max en joyau. Donc il va m'en manquer, je sais pas où. Ça va pas me plaire. Voilà. Toutes les têtes sont au milieu, elles dansent toutes. Point d'aptitude. Maintenant, on peut les placer sur les têtes. Hop. Et d'une. En fait, toutes les têtes, tous les corps sont dans la zone du milieu. Donc, de toute façon, les ramener ne perd pas de temps, quoi. Hop. Et de deux. Voilà.
Voilà, 3. Parfait. Hop là, toi tu vas aller juste en face. Non, recule un petit peu s'il te plaît. Je sais pas si j'ai bien visé. Bon, ça va, il y a une grosse tolérance quand même. Et le dernier, ou qui n'a pas de tête. Ah, t'es où? Il est là. Je ne vois rien. Voilà. Prends. Parfait. Comme carte de membre honoraire de la loge. Merci. Je prends. Ryan. C'est la première fois que ça arrive. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Tu parles de l'œuf? Ok. J'ai tous les œufs. Par contre, j'ai pas tous les joyaux. Donc ça veut dire que quelque part dans le niveau j'en ai oublié. Alors je vais d'abord refaire le tour de... Je vais d'abord voir combien il m'en manque en fait. Il m'en manque 10. Donc soit un gros jaune quelque part, soit voilà, plusieurs. Donc je vais d'abord faire le tour de cette zone. Et si je les trouve pas là, je vais devoir faire le truc le plus chiant du monde. C'est le chercher partout ailleurs. Ah putain, il est là! Bien joué, j'avais pas vu ce petit recoin. Je suis passé à côté plein de fois. Voilà, cette fois le niveau est terminé. Après avoir tourné en rond pendant un petit moment. Voilà, ce niveau est terminé à 100%.